Aujourd'hui, si je me suis mis sur mon 31 avec mon plus beau t-shirt Dragon Ball, c'est pas pour rien. C'est pour la sortie de la nouvelle saison sur Call of Duty Mobile, la saison 3 qui s'appelle Radical Raid en anglais et Raid Originel en français. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas, la traduction, bah c'est du Jean Kevin. Hein. Dans tous les cas, ça va être une très très bonne saison. Le thème est nul autre que Miami années 80. Et ça, moi, ça me parle, mais de façon considérable, vous avez pas idée. Voilà, donc je vais parler un petit peu du patch note, parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Et puis après, bien sûr, la découverte du pass de combat va se faire sous vos yeux ébahis. Je sens que je vais être très content sur cette nouvelle saison. Allez, c'est parti. The French Beef. On va commencer par un petit peu ce qui va être rajouté dans cette saison, hein, tout simplement. Déjà, une nouvelle map va faire son apparition, une map qui nous vient tout droit de Call of Duty Black Ops Cold War. Là, tu la remarques un petit peu en arrière-plan, hein, c'est la map Miami Strike. Je sais pas trop ce que ça va donner sur Call of Duty Mobile, j'espère que ça va être très stylé aussi, avec les effets néons, tout ça. J'espère aussi que la piscine sera là pour pouvoir nager, parce qu'il y avait une piscine dans l'hôtel. Non. Sinon, on a une nouvelle arme, hein, c'est dans le pass de combat au palier 21, comme d'habitude, c'est une SMG. Sa principale caractéristique, c'est d'avoir énormément de cadence, voilà, elle va pouvoir déglinguer tout le monde. Mais très peu de balles dans le chargeur de base, donc il va falloir certainement l'équiper avec un chargeur étendu. Vu qu'elle est très petite, la mobilité va être exceptionnelle, donc on va vraiment pouvoir courir avec comme si on n'avait rien dans les mains. J'ai hâte de voir ça. Sur cette nouvelle saison, on n'aura qu'une seule nouvelle arme, comme la saison dernière. Plus tard dans la saison, avec des missions saisonnières, on aura un nouvel équipement pour l'AK-47, cette fois-ci, un équipement de type poignée, qu'ils ont appelé poignée combo GRU, qui permettra d'avoir moins de recul et moins de dispersion sur l'arme. Bref, suivant. Nous avons un nouveau talent d'agent, évidemment qu'on retrouvera dans le pass de combat. C'est un espèce de réacteur. On va dire genre réacteur nucléaire, tu te déplaces avec sur la map et ça permet de cramer les ennemis qui sont aux alentours, mais si tu le tiens trop longtemps dans les mains, et c'est là le petit truc subtil au niveau du gameplay avec ça, c'est que ça va te cramer toi aussi. Ensuite, on a quoi de beau? Mise à jour du stand de tir. Alors je vais mettre quelques images. Le stand de tir aujourd'hui te permet de faire énormément de configurations. Voilà, il y a un nouveau panneau de configuration sur lequel tu vas pouvoir rajouter des bottes carrément, tu vas pouvoir changer plein de choses, tu vas pouvoir plus facilement équiper toutes tes armes et faire des essais sur les différents accessoires. C'est bien pour moi qui fais des reviews de nouvelles armes par exemple. Intéressant. Est-ce que c'était vraiment extrêmement nécessaire? Je suis pas sûr, mais en tout cas, c'est toujours ça de prix. Ensuite, sur le patch note, il est écrit mise à jour du skill-based matchmaking. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? J'en ai aucune idée. Honnêtement, c'est une boîte noire, le SBMM. Hein. Et il a été ajusté, donc j'espère qu'on aura une meilleure expérience de jeu, parce qu'il y a eu certains moments où, franchement, on en avait ras-le-bol de tomber que sur des tryhards. On verra. Nous avons en MJ des nouvelles médailles. Je vais mettre également une image de ce que ça donne. Voilà, quand vous tuez des gens, vous avez des médailles. Hein. C'est pas transcendant, mais c'est toujours ça. Il est également possible de faire l'inspection d'armes en bougeant, ça révolutionne rien du tout, mais c'est là. Par contre, en parlant de révolutionner le jeu, ça va être vraiment très bien reçu de la part des joueurs qui en avaient marre du maître piégeur. Sachez que cette classe dégueulasse a été changée. Aujourd'hui, vous avez simplement une espèce de mine. Quand vous passez devant, ça vous enferme dans une sphère qui peut exploser, et si vous désamorcez la mine, ça va vous éviter l'explosion. Vous pouvez également tirer dedans, enfin bref, ça ressemble énormément à un gros nerf, hein. On verra. Sur le Battle Royale également, le loot au sol a été changé. Vous retrouvez maintenant, bien évidemment, la nouvelle arme, la MAC-10. Vous retrouvez la Swordfish, vous retrouvez la Hog AGR, voilà tout ça, ça change, c'est cool, tant mieux. Ensuite, au niveau des nerfs, alors je vais le faire rapidement en multijoueur ou en Battle Royale, hein. Vous avez un nerf sur le SPR 208, ça je dirais dommage parce que c'était pas l'arme la plus redoutée du jeu. Un nerf sur le Jack 12, alors il le fallait, hein. Pareil, nerf de la Kilo 141, grosse arme méta, donc voilà, il était temps qu'elle soit un petit peu nerf. Le katana également, grosse portée sur ce couteau, franchement abusé. Ensuite, on a un nerf du laser orbital en tant que score streak. Quand tu joues en point stratégique avec des gens qui bombardaient ça toutes les 2 minutes, c'était un peu pénible, donc pour le coup ça sera un peu moins pénible, tant mieux. Et surtout au niveau des nerfs, et ça, mais je dis mais oui mais mille fois, c'est l'unité canine, mais quel spécialiste toxique sa grand-mère. Ensuite, au niveau des buffs, on a l'HVK30, l'AM4, la Peacekeeper, la FR556, c'est à dire la FAMAS, la CR56 à max et l'hélicoptère d'attaque. Nous avons également des nouvelles récompenses en ranked. On remarque en multijoueur qu'on a quelques récompenses, ma foi, sur le thème un petit peu doré. Le côté doré est sympa, mais si on prend par exemple les gants de boxe, c'est juste écrit code M, quoi, voilà, moyen. Par contre, sur le Battle Royale, pour le coup, on a un truc très stylé. Enfin, vous le voyez depuis tout à l'heure à l'écran, hein, c'est le skin Scarlet que vous débloquez au Grand Master 3. Il ressemble à s'y méprendre au skin Mantaré qu'on avait gagné pendant le championnat l'année dernière. Je vais le jouer, ce skin, il est très sympa. Bien sûr, il y a d'autres petites choses, hein, la voiture, mais pareil, avec écrit code M, je trouve ça un peu moyen moyen. On se retrouve sur le calendrier de connexion mensuel et je me suis pas spoilé sur celui-ci, donc on va chercher le skin au jour 24. Il s'agit de Crash la Moustache. Et ben franchement, pour ceux qui ont peut-être la ref, à mon avis, c'est très 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 fortement
inspiré de Magnum, la série policière des années, je sais même plus, je l'affiche à l'écran, tiens. Un mec à moustache avec une chemise hawaïenne, très sympa. Et je fais une parenthèse justement sur le fait qu'il y a plusieurs reviews de saison en arrière, je sais plus. J'avais dit, j'aimerais tellement voir arriver sur Code Mobile des chemises hawaïennes, des shorts, un truc qui fasse été, tu vois. Et ben, il a fallu attendre le printemps pour l'avoir, le printemps de l'année d'après. Mais on l'a, il est cool, j'ai hâte de le débloquer. Bon, avant d'aller sur le pass de combat, bien évidemment, le retour d'Alcatraz, voilà, ça fait trop plaisir ça aussi. Hein. C'est mon mode préféré sur le Battle Royale. Et bien, sachez que cette fois-ci, il va pas rester qu'une semaine. Non. Il va rester 27 jours. Oui, 27 jours, tu as bien entendu. Et ça me fait kiffer. Voilà, ça me met en joie pour cette nouvelle saison. Et maintenant, on va aller directement sur la chose qui nous intéresse, le Battle Pass et l'arme qui a été créée par Activision spécialement pour moi. Vous allez voir tout de suite. Direction le pass de combat avec la vidéo de présentation. Petit DJ, Basic Samix, très stylé, American Bulldog. Bon, lui, il est un peu moins dans le délire. On le verra mieux après, mais voilà. Par contre, celui-ci, au niveau du costume, sympa. Au niveau de la gueule de clown, je suis pas fan. Par contre, là, on a tout de suite des skins extrêmement années 80. Sarah Connor, un petit peu, pour ceux qui ont vu Terminator. Hein. Je vais pas te citer des séries des années 80, mais bref, on y est. Ça rajeunit pas tout ça. Alors, Gunzo, clown en chef, palier 1. Bon, ça donne le ton, hein, très sympa. Hein. Le côté costume blanc Miami, ça, c'est cool. Encore une fois, le masque de clown, je vois pas trop le délire. C'est moitié Halloween, moitié Miami. Je sais pas ce qu'ils ont foutu là-dessus, mais en tout cas, ils l'ont fait. HBRA3 Jaguar 3000, skin sympa. Peut-être si t'as pas vu le film, va voir le film, mais là, tu reconnais l'inspiration très clairement de Terminator, c'est évident. Sac à dos, guitare, 6 cordes, bon, c'est une hache d'après eux, j'ai pas tout compris. Skin du R90, voilà, futuriste, un petit peu pareil, hein, années 80, avec des couleurs très flashy, hein. Vous le reconnaissez sur mon overlay, vous le voyez juste au-dessus, c'est exactement les mêmes couleurs, c'est le même délire. On a Park Glam, alors tu vois, c'est peut-être un des premiers skins de Park que je trouve sympathique. C'est pas le meilleur skin qu'on ait jamais vu, hein, celui-ci, mais je le trouve pas mal. C'était pour le palier 12. Palier 14, comme je disais tout à l'heure, on a le nouvel opérateur, c'est le noyau de réacteur. Mode de vie rock'n'roll, très bien, c'est les modes qui va avec le sac à dos. J'aime bien le côté musique années 80. Ok. Oh, il défonce la guitare, allez, casse-toi, vas-y, c'est bon. Celui-ci, c'est un peu désigual, le skin top moumout. Je crois que c'est un peu forcé sur la gueudreau, là. Ensuite, on passe, parce que c'est claqué, palier 21, bien évidemment, la MAC-10, nouvelle arme, ça va être une dinguerie, que ce soit en MJ ou en Battle Royale. Palier 30, on a un DLQ-33 avec un viseur carré. Vous avez peut-être pas utilisé le Locus qu'on a eu, je sais même plus dans quelle saison c'était il y a longtemps. Avec un viseur carré, bah là, vous avez l'équivalent, assez futuriste, mais il est sympa. Petit pendentif, gros solo, bon. Palier 35, je pense que c'est un hommage un petit peu à Robocop. Je mets sa photo ici. Il est un peu raté si c'est ça. Je le vois plus comme un chevalier plutôt que comme un robot. Je trouve qu'il va pas trop avec le thème. Vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, bien évidemment. Kilo 141, cheveux de métalleux. Alors ça, c'est du coup l'arme qui est censée aller avec Kilgore. Locus. On dirait l'arme de Buzz l'éclair. Sérieusement, regarde la gueule du truc. On dirait un pistolet à eau, je sais pas. Ensuite, nous avons, et ça je l'attendais depuis, le petit ananas. Il y avait un ananas aussi en porte-clé que j'utilisais quasiment sur toutes mes armes. Et à l'époque, j'avais dit, s'ils nous sortent une banane, parce que si t'as pas compris, regardez des bananes un peu partout hein, sur ma chaîne. C'est une référence à Retour vers le futur, Biff Tannen qui dit « Hey McFly, banane !» Allô ? Allô, y a personne au bout du fil. Faut réfléchir, McFly. Faut réfléchir. Ils l'ont fait pour moi, c'est évident. Ils ont écouté, ils ont regardé mon stream, ils ont dit ah oh, quand même lui quel streamer stylé. On a fait un skin Iferg. Pourquoi pas on ferait un skin pour The French Beef. Bah voilà, c'est officiel. Non, je pense rien. Bah en tout cas, ça me fait très plaisir. Voilà, un petit porte-bonheur banane, je le mettrai systématiquement sur toutes mes armes. Ça, tu peux en être sûr et convaincu. On arrive au palier 50 avec Kilgore. Franchement, ce skin est extrêmement travaillé. Il ressemble pour moi vraiment à un skin de tirage, très stylé. J'ai rien à dire. Et après, il y a évidemment ce qu'on attendait depuis le début de cette vidéo, le fameux skin créé également juste pour moi par Jean-Kevin. Jean-Kevin, fils du président d'Activision, que j'ai dans mes contacts personnels, bien sûr. C'est le MAC-10 banane, voilà. Le skin MAC-10 banane, tu peux pas rêver mieux. C'est le meilleur skin qu'ils auraient pu jamais sortir sur le jeu, c'est incroyable. Cette saison, je pense que je vais la poncer le plus vite possible juste pour ce skin. Palier 50, on a également des trucs pas ouf, hein, comme d'habitude. Si on va sur le pass premium, qu'est-ce qu'on a de beau? Voilà. Est-ce que c'est nécessaire de rentrer dans le sujet? Vraiment, je pense pas. Les Nunchaku, c'est encore pire. Chute tropicale, et bah là ils ont raté un truc, tu vois. Pourquoi c'est des ananas justement et pas des bananes là? Sans déconner, j'ai envie de mettre des taquets des fois. N'achetez pas le pass à 1280 CP, non seulement c'est une arnaque, mais en plus les récompenses que t'as en plus elles sont vraiment pas folles. Voili voilou. En tout cas, ça fait trop plaisir d'avoir un pass de combat sur le thème genre été, soleil, Miami, on se met bien. Ah là 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 là, je suis tellement hypé par cette saison. Voilà, donc dis-moi dans l'espace commentaire si cette saison te plaît, qu'est-ce que tu penses de tout ça, est-ce que ça te fait kiffer autant que moi. Également, abonne-toi si c'est pas déjà fait, lâche un pouce bleu, voilà, tu connais, tu partages, machin. Et puis tu passes sur Twitch, samedi matin 10h-13h, dimanche matin 10h-13h et mercredi soir 19h-21h. Allez, salut!